All augmente silver. En gros, how to set 10, c'est simple. Option 1, vous avez un start genre Last Whisper, c'est soit MF, soit Samira, ou alors vous avez un start Shojin. Et là, c'est un peu plus complexe. C'est soit Vex, soit MF, soit Lux. Voilà. C'est tout. Jinx, c'est jamais Jinx. Sauf quand c'est Jinx. En fait, je connais toujours pas mes items, c'est ça qui est chiant, j'ai pas envie d'acheter des trucs là. D'accord. Chose une super fan avec une MF. Ah, ouais, j'ai bien joué. Je pensais que j'allais perdre. Je pense que j'aurais pas dû m'en déblayer. Yo Pepito, merci pour le sub. Ça sent la game Vex quand même. Thank you.
BF, ok. J'ai pris beaucoup de dégâts là. Ça sent la game exécutionneur. Enfin, ça dépend le proc hein. Globalement c'est ça ouais. Ça joue ça ou pas? Ça joue pas. Je sais pas. Je pense pas. C'est un bon niveau 6, mais. Je pense que je devrais même vendre le Twitch, mais. Alors, là dans l'immédiat on veut vraiment se amumu. Est-ce qu'on peut vouloir d'autres? On peut jouer un 3 country généralement. Oh, Nico, c'est huge. Je joue un 4 gardien de transi. Ça, déjà, c'est plus fort. Il y en a une qui est pas sur la case. Okay. Pas de belt ici. Thank you.
faut qu'on gagne ça, s'il te plaît. Oh bordel. Il a roll down. On va avoir les 30 gold. Oh nice. Je sais pas si on préfère Rabadon ou Spellcrate là en last. Y a une Vex pas tuer, on peut faire une Spatemo. Je vais juste prendre parce que c'est Vex en vrai. Tu forces trop. Gros. T'es à deux doigts de comprendre le concept de méta là, je crois. Y'a pas de trop forcé. Prends pas, je pense. Je pense qu'on skip jusqu'à avoir Vex chosen ou Amumu chosen. T'as pas d'item pour Samira. Ok, ces rounds là c'est eux qui ont gagné.
va piquer. MDR, le Tom for fun. Attaquer le buff. KD. Bah du coup on joue Samir. Ouais on joue Samir avant Twitch non. MDR. Je mets ça. Je mets ça. Ignore c'est ok. Partout je vois pas l'intérêt ici. Je prends l'item. MDR. On achète. Au niveau 8, on met 4 guardians. Ah il nous faut des items à Mumu. C'est quoi le bis à Mumu? Sunfer ça peut être cool en vrai. Attention je pense c'est Hawk. Liquide Alan ZQ. Yo the Dark Armas, c'est moi. Merci votre. Sinon on peut aussi faire 0 frontline et juste full backline. MG, merci pour la DAF, merci pour les 17 ans! Xater, merci pour le sub! Thank you very much! Un autre Nico. Pas de luxe. Pas d'Akali. Ah. En fait on conteste. Depuis tout à l'heure. Je pensais pas, j'avais pas vu qui que ce soit sur le build. Mais...
Relou, frère. C'est la 2 Nico aussi. Il est un peu loin de Vex. Ok, il a give up Vex, parfait. Je vais le laisser tout seul devant, je pense. Non, il prend trop cher en fait. Et je veux que ça se pack sur un Mumu. Dinguerie, frère, la chatte qu'il a. La chatte qu'il a eu, c'est une dinguerie. Genre, tout s'est bien passé pour lui. Genre, j'ai eu aucune AO avec la Vex. C'est horrible. Ça dans cette méta, ouais, c'est super fort hein, team building. Elle est aussi forte que la gold hein. Ok, Bramble. Et là, soit on fait RFC, enfin, soit on fait un red buff, soit on fait GS. Je pense qu'on veut un red buff. Ok. On va attendre un peu là. Alors. La Mumu meurt pas pour l'instant. Akali, please, fais ton travail. Ok, nice, Karthus. Et un autre round gagné contre Alan ZQ. Solide. Tu l'as ou pas, Chacal? Oh, on pourrait avancer. Le 8, parce que le 4 Guardian pour le coup n'est pas négligeable. Si on pouvait trouver un Yorick, putain, ce serait huge. Yo, Kipika, merci pour les 16 mois. Oh.
heureusement qu'on a ce red buff, hein. Je vous jure que là l'anti-heal il est insane, hein. Nice. Ce qui est bien c'est que quand on s'est mis à jouer des 3 costes, au moins on fait plus de bottom. Et ça c'est déjà très très bien. Personne aime faire des bottom. Stone plate à Moumou. Stone plate à Moumou. À Moumou. Stone plate à Moumou. T'en as à quel rang? Je suis gold 2, bientôt gold 1. Il est si solide ce Amumu. Il ne craint rien. Broken cette combe. Pour 108, bah oui mec, c'est genre les 3 costes c'est au dessus de tout actuellement. Il y a vraiment pas beaucoup de raisons de faire de jouer des 4 costes, hein. Tu complètes juste tes compos 3 costes avec des 4 costes, toi. Un petit TJ sur cet Akali ça ferait du bien, hein. C'est même pas indispensable. Il bloque Sailai comme ça. Avec Karthus, fait le taf. MG passif Karthus. Hop là. Encore une victoire contre Liquid Alan Sifu. What the fuck? Jamais ça. Oh le niveau 8 il est corsé, hein. Jamais je joue des 4 costes. C'est soit des 3 costes, soit je full snowball et c'est des légendaires. Pas d'entre deux. Lui je crois qu'il m'a battu la dernière fois. Ah c'est pas certain en fait. Ouais, la sustain sans Gragas, hein. On dirait le Gragas Dawnbringer. C'est armé full life. À l'ancienne.
C'est pour me narguer ça. Ouais, c'est Dazzle. Hop là, fin de la partie. Voilà, au revoir à tous, j'ai bien joué. Allez, bisous. Tu arrêtes. Tu arrêtes, j'ai dit. Tu arrêtes. Fin de la partie, j'ai dit. Bon après, il se peut qu'il y ait eu un tome au PvE. Il m'a donné une spot KDA. Et il se pourrait également que on ait eu une spot MO. Mais voilà, tu vois, c'est. C'est juste comme ça. Est-ce qu'on peut roll un Yorick? Ok, pour entendre ça, ok aussi. Dans le chat qui disait tu forces pas un petit peu trop là, il y a genre 15-20 minutes, je lui avais répondu quoi, je lui ai dit t'as deux doigts de découvrir le concept de méta, je pense qu'il se rend compte maintenant à quel point il était dans le faux. Et encore une victoire contre Kid à la Nizuku. On la prend cette BT à Kali. Ah, c'est bien joué. Pourquoi il essaie de faufiler sa Ilaoi comme si c'était un assassin genre. Yeah. J'ai pas mis de bait pour la Akali, hein. Mal joué. Si je perds, c'est ça qui m'a coûté la game. En gros, je devrais faire ça. Voilà, en mettant un truc ici et un truc là, Karthus prend pas les ultis à Kali. Normalement ça m'a. Il est niveau 10 quoi, il scale tellement. Et là si on trouve un troisième item à Kali, on est bien aussi. Ah. C'est déjà mieux, vous voyez la différence. J'ai pas grand chose à roll, hein. À part Yorick 2 au niveau 8. Et j'y crois pas trop. Ah, le bâtard il a trouvé Yorick 2.
penses quoi de ce board qui bat un mec niveau 10 ou légendaire? Hein? Ouais, j'ai un bon board. Hein. Ça va être un duel d'Akali. SN Age of Night. C'est le round que j'ai perdu. Parce que je me suis mal placé, j'aurais dû le gagner. Et du coup, il fait top 1. Ouais, donner trop de temps à un mec niveau 10, c'est pas bon. Hein. Il trouve des Lèches 2. Il avait pas Yorick 2 la dernière fois que j'ai croisé. Je sais pas si j'en fais une last ou si je stop. Il y a KR20. Okay.